bien salut à tous et à toutes, c'est les Psychotwins et aujourd'hui on se retrouve comme vous pouvez le voir pour l'épisode 15 de notre World sur Monster Hunter 3. Enfin j'ai envie de dire, oui je sais, on a nos raisons, vous inquiétez pas, on va vous les dire juste après, mais comme d'habitude je ne suis pas seul. Salut à tous. Donc je te laisse exposer nos contradictions, enfin pourquoi on n'a pas fait de vidéo ces derniers temps. Hein, ça doit faire genre 4-5 jours qu'on n'a pas fait de vidéo. Désolé, franchement désolé, si vous avez vu récemment j'ai posté un bulletin. Comme quoi on disait qu'on voulait tourner, on voulait, c'est mais comme vous l'avez vu, on a fait une vidéo sur DayZ, mais ce jeu est tellement prenant, on se dit allez, aujourd'hui on tourne, et ben non, on se laisse emporter par le jeu, et a rien à faire, à chaque fois on se dit merde, et on en est désolé, franchement on voulait, mais bref, voilà. On est tellement emporté par ce jeu, on y passe des heures, nos journées entières, voilà. c'est vraiment super comme jeu. Donc voilà, aussi une autre raison, c'est que ces derniers temps j'avais pas trop envie de jouer à MH3. Et quand j'ai pas envie de jouer à MH3, je fais souvent de la merde et j'ai pas envie de vous proposer quelque chose de bâclé. Ça se ressent au niveau du commentaire et au niveau du jeu aussi. On tourne des vidéos quand on a envie de jouer, pas quand, donc des fois ça arrive qu'on ait pas envie de tourner aussi. Aussi il y a des circonstances atténuantes, hein, comme le jeu DayZ qui est un jeu franchement énorme. Hein. C'est interminable. Très dur de s'en détacher, ouais. Ouais, c'est interminable comme jeu. Il y a donc voilà aussi, quand j'ai pas envie de tourner, je ne tourne pas, parce que faut savoir que maintenant mon frère. Oui, enfin c'est moi qui joue, donc voilà, c'est tout le temps moi qui joue. Donc voilà, donc excusez-nous, maintenant on va essayer de bombarder un petit peu plus, hein, on va essayer de s'excuser en gros de notre absence, on va essayer de dire de la merde aussi, comme à notre habitude, apparemment vous aimez ça. Hein. Ouais, on reçoit des commentaires, hein, et même des messages des fois, on vous remercie, comme quoi des fois même on nous dit « Ah, vous êtes mes youtubeurs préférés », bah franchement, ça nous fait super plaisir. Ouais, on lit tous les commentaires, ah, etc., oui, tous les messages. On répond au maximum, donc encore un grand merci à vous, il y en a qui, franchement, c'est super, voilà. Ça monte de plus en plus vite aussi, enfin voilà, bref. Ah ouais, allez, au niveau des abonnés, ça. Bon, au niveau des vues, on n'a pas fait grand des perfs ces temps-ci, mais en même temps, c'est normal, vous inquiétez pas. On s'excuse, voilà, excusez-nous, maintenant, on s'y remet de plus belle, voilà. Voilà, on va dire qu'on s'est pris une petite semaine sabbatique. Exactement. Non, plus sérieusement. Donc là, je vais on aller. On passe ça comme une corvée. Je vais. Ouh, je vais aller chier dans la bouche du Lagiac Russe. Vas-y, prends ça dans ta gueule. Ah, t'arrives à balancer les grenades. Vous voyez que j'ai une morpho hache, c'est celle que j'avais fait. Certains nous demandent de y jouer, bah écoutez, on vous écoute. Hein. Alors, il y en a encore beaucoup qui nous demandent de jouer à MH3 avec vous. Enfin, qui nous demandent si on peut jouer avec ou vous. Ou qui veut le faire, ouais, une vidéo. Désolé, on vous répond, on vous dit en principe qu'il va falloir attendre qu'on annonce leur série, tout ça. Sauf qu'on a dit qu'on allait peut-être annoncer un hors-série dans pas longtemps, mais non. Tout simplement parce qu'on parle 14... je me trompe. Donc on va partir 2 semaines dans pas longtemps et donc on pourra pas faire de vidéo. Et donc on n'aura pas le temps d'organiser de hors-série. Voilà. Donc on en est désolé. Quand on reviendra, on essaiera d'en organiser un. On annoncera, je pense, au prochain épisode. Mais vous inquiétez pas, on va tourner un maximum pour que vous sentiez qu'on n'est pas parti, hein. Ouais, mais on va partir 15 jours, donc en même temps il y aura un trou, hein. On est désolé. Ouais, s'il y a un peu moins de vidéos durant ces derniers temps, vous étonnez pas. Hein. Même pas du tout. c'est ça. Donc. Non, nous aussi, on a droit à nos vacances, hein, quand même. Autre chose que je voulais dire. Oui, s'il y en a qui voient cette vidéo et qui veulent qu'on leur fasse un background, on reçoit encore beaucoup de messages qui nous demandent si on peut leur faire un background. Non, on en est désolé, mais non, ça fait longtemps qu'on a arrêté. Il y a très longtemps. Oui, tu vas prendre. Aussi, les gens sont, je suis désolé de le dire, mais un petit peu bêtes, puisque à droite de notre chaîne, il y a marqué PS, je ne fais plus de background. Les gens voient une vidéo, s'abonnent, puisque évidemment, dans les vidéos où je disais que je faisais des backgrounds, il fallait être abonné à notre chaîne. Donc les gens s'abonnent, mais ne regardent même pas nos autres vidéos, ou alors même ce qui a marqué sur notre chaîne. Et je trouve ça un petit peu. Bête de leur part, donc je ne citerai pas de nom évidemment, mais avant de demander quelque chose, parce que déjà regardez la date de la vidéo et aussi regardez les choses, parce que les choses ont avancé, les gens changent, font différentes choses sur le temps, donc du coup les gens s'abonnent et voilà, est-ce que je peux me faire un background, d'ailleurs il y en a, ils me demandent même pas, enfin ils me disent même pas ce qu'ils veulent dessus, enfin c'est totalement débile.
Bon, je dirais pas de nom parce que je suis pas là pour balancer et tout ça. Loin de là, mais je suis là pour faire comprendre à ceux qui nous envoient encore des messages. D'ailleurs, je suis sûr que la plupart nous regarderont pas. Pour des backgrounds, essayez quand même de regarder un petit peu les activités du youtubeur en question. Parce que c'est un peu débile, donc voilà, c'est un petit coup de gueule en même temps. Mais ça commence à être un petit peu désagréable de recevoir encore des demandes après le temps qu'on. Ça fait super longtemps que je suis plus graphiste. Enfin, graphiste. Voilà, pseudo-graphiste, hein, graphiste en herbe. Donc voilà, c'est un petit peu saoulant. Voilà, je conseille pour ceux qui veulent vraiment s'y mettre, faites que ça. Parce que sinon, si vous voulez faire d'autres vidéos ailleurs, ça va être très compliqué. Exactement. Il y en a qui y arrivent, mais moi, nous, on n'y est pas arrivé, c'est pour ça qu'on a arrêté. Voilà, maintenant, coup de gueule, maintenant, on passe à l'amusement. On est là pour se détendre les sphincters et se cirisser les poils de la bite. Exactement. Très bien dit, mon frère. J'aurais pas dit mieux. Exactement. Ouais. T'aurais pas dit bien mieux. Sorti. Donc, bah, apparemment, vous aimez quand on dit de la merde. On reçoit des commentaires, on vous en remercie, comme d'hab. Bon. Autre information sur High Level. Oui, donc, si vous regardez la vidéo sur FR Gaming Zone, oui, nous avons une pseudo deuxième chaîne, on va dire. Sur High Level, il n'y aura pas d'autres analyses, tout simplement parce que j'aurai pas le temps d'en faire. Et puis donc avec Daisy aussi, j'ai un peu relâché League of Legends. Oh PGM. Autre chose, prévu. Justement, mon abonnement WoW est fini. Boufou, je pleure. Et donc je vais me remettre pas mal à League of Legends. D'ailleurs, j'ai vu qu'un perso totalement OP vient de sortir, Diana. Non, et donc je serai beaucoup plus sur League of Legends. Donc ajoutez mon pseudo, ajoutez-moi, il n'y a pas de problème, je vous ajouterai. Parce que Lucas n'est pas là, Reapers joue à WoW, donc en principe je suis tout seul sur League of Legends. Alors je vous cite mon pseudo, je pense que je l'écrirai à l'écran quand même. Oui. Je regarde à peu près quand je le dis parce que c'est toujours un petit repère. Donc ajoutez The Psycho Twins. Non. C'est vrai. Ah mais j'étais même pas au courant en plus. Donc tu me caches des choses. Oui, tu sais pas. Donc ajoutez-moi, y a pas de problème et je ferai dès que possible bien sûr parce qu'on geek sur Daisy, c'est ou DayZ comme certains disent, je sais pas trop. Et on geek donc, et en plus quand mon frère joue je stresse autant que lui donc j'essaye de l'aider un peu avec la map. Au bout d'un moment ça va, on commence à s'habituer, mais ce jeu agit toujours sur la morale, enfin sur votre santé morale. C'est très stressant, même si vous connaissez le jeu par cœur, voilà, les musiques sont stressantes, tout est stressant en fait, l'ambiance puis, est stressante. Je sais pas, au pire vous pourriez. Alors oui, je voulais parler d'autre chose. Certains, on avait annoncé que oui, après qu'on ait fini ce Wolchou, on allait faire d'autres Wolchou, d'autres jeux. Non, tu m'en diras tant. Pouvoir de déduction. Vu qu'on a fait une vidéo de Daisy, certains croyaient que ça allait être ça le prochain Wolchou. Or, c'était totalement pas prévu en fait. À la base, quand on a annoncé qu'on voulait faire le Wolchou sur le prochain jeu, on ne connaissait pas encore Daisy. Donc, on s'y est mis, on s'est dit, bah tiens, on va faire des vidéos, c'est tellement énorme. Et donc, on va s'y mettre, mais à la base, le jeu qu'on voulait faire, ce n'est pas ça. Mais on le fera quand même. Ça viendra plus tard. Ouh, je prends cher là. Je crois que je vais être évanoui. Je crois que je vais m'évanouir, les gens. Eh ouais. C'est la teuf. Allez, ouh. T'as même pas été touché. T'es cocu, toi, non? Ouais, je vais aller jouer au loto, moi. Ouais. Donc, on a bien prévu deux nouvelles séries quand celles-ci seront finies. Donc, vous voyez, on prévoit sur l'avenir. Hein. Ouais, alors c'est déjà tout ce qu'on va faire. Alors, c'est un jeu que je pense qu'il va vous plaire, qui a déjà été fait. Malheureusement, tout c'était fait sur YouTube. Mais je pense que ça il y a longtemps. Oui, très voilà, longtemps. Parce que si le jeu ça a déjà été fait, c'était il y a longtemps. Oui, parce que le jeu est quand même assez vieux. Voilà. Ouais. On va pas se le cacher, mais ça reste quand même quelque chose de bien. Voilà. Donc, je répète sur LOL, n'hésitez pas à m'accepter et j'essaierai de faire un maximum de parties avec vous. Hein. Même si je garantis pas non plus d'y être H24. Voilà, c'est tout ce qu'on avait à dire, même si c'était déjà pas mal. On a tenu 10 minutes de commentaires. C'est déjà cher. Pas mal. Là par contre ça risque d'être très dur, hein, mesdames et messieurs. Oui, parce que au cas où vous l'aurez pas remarqué, c'est capturer un Lagiac russe. Hein. J'ai pris ma PR, de toute façon il n'y a pas d'autres quêtes qu'on pouvait faire. Il fallait absolument qu'on vous propose un épisode. On avait envie de tourner, hein. On vous dit allez, on va s'y mettre. Mais oh là, ça va être trop compliqué. Ah. Je crois que je vais utiliser. Violer dans les buissons. Non. Ça passe.
Alors, attendez, ça va, là c'est très compliqué, ça va être très compliqué de s'en sortir. Surtout que oui, vous avez remarqué, on n'a plus Chacha qui sert de bouclier humain. Tout simplement parce que quand il a vu le Legiacrus, il s'est barré cette flippette. Et en fait, je me souviens, il va revenir et va nous dire « Oh, j'ai vu un machin bien plus grand que le Legiacrus, quoi. » Et ça doit être ça qui doit provoquer les tremblements de terre, quoi. Et voilà, quoi. On va se faire bifler si on reste là, quoi. Voilà, exactement. Donc, n'importe quoi. Et donc voilà, c'est donc là on en chie, donc pour l'Agiacrus on l'a farmé Flo et oui, j'ai pas, je sais, j'ai pas fait l'armure, mais voilà, fuck it. Moi, je prends ma paire, je la pose sur la table. La table se fend en deux. Oui, ça, on commence à la connaître la blague, je pense. Hein. Voilà, voilà, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait d'idée. N'empêche, ouais. Ça fait du bien de s'y remettre à MHT. C'est vrai, quand même. Et de même de se remettre aux vidéos tout court. Hein. Donc les copains de la team, tiens. On a fait une vidéo avec la team, que... elle sera postée, vous inquiétez peut-être pas. Peut-être, sûrement, ouais, c'est sûrement, pas ouais. Si, si sont sages, si... S'ils viennent chez moi pour faire des... Enfin bref. On va pas se lancer dans des sujets scatophiles, et etc. Voilà, ça va devenir moins de 18, pay free, non je déconne. Donc, non, mais plus ça... Franchement, on dit de la merde et là c'est le mot. On va se faire exclure de YouTube un jour. Hein. Ouais, ouais, franchement, faut qu'on fasse gaffe. Hein. Il est passé où, cette salope? Je pense qu'il est allé en zone 6, tu vois. Il a fui. Alors attendez, je veux juste combiner des... Non. Merde. Fuck. Tu combines des merdes. Des merdes, ouais. Je combine de la merde, j'aime. Mmh. Non, pas ça. Voilà. Bon. Aiguise. Yeah. Merci de m'y faire penser. Donc ouais. Pourquoi pas, si vous voulez peut-être jouer à Daisy avec nous. Pourquoi pas, ouais. Pourquoi pas, après tout. On a rencontré des gens vraiment sympas. Ouais. Sur le jeu, etc. On est sur un serveur bien particulier, on vous dira pas lequel c'est. Mais on s'y amuse bien. On est bien équipé. On est bien équipé. Puis si on crève, bah on a un petit secret, voilà. Enfin, je pense que vous avez compris. Voilà. Sauf que le principal problème du serveur où on a, c'est que je pense que les ennemis n'ont piqué tous les véhicules parce que introuvable. Ouais. Enfin, on n'est pas là pour parler de Daisy. On en parlera assez, on fera des vidéos dessus, hein, vous en faites pas. Oh, mais chope. Il est fatigué, je crois. Hein. Ouais, je crois aussi. Mange ta race, biatch. Ouais. Ah non, c'est que je l'avais flashé, je suis con. Ah oui, ça va. Je l'ai bien marave, ça va, je m'en sors bien, alors que c'est le premier monstre que je fais, là, depuis une bonne semaine, je pense. Même, voire plus. Donc, ça va, je suis assez content, je gère bien. Ouah, ça fait mal. Dommage. C'est toujours très désagréable de se prendre une boule d'électricité dans la gueule. Je sais pas si vous avez essayé, mais... Ouais, c'est... C'est jamais très agréable. Ça hérisse les poils de... Ouais, bon, non, ouais. Non, mais c'est bon, on a commencé à la connaître. C'est vrai, en plus. Ah oui, en plus, ouais, c'est électrique. Bah oui. Attends, écoute. Ouais. Ça se voit vraiment qu'on sait plus quoi dire. Hein. Ouais. Ouais, non, ça, non, ça se voit. On est dans la phase connerie, là, de toute façon. Il y a un peu deux phases. Hein. Pourtant, vous voyez, on prévoit des choses à dire, mais ça suffit jamais. Ou alors, on le dit trop vite, je sais pas. Putain, décidément, t'arrêtes pas de bouffer. Hein. J'aime. Waouh. Ouais. Oh là là, ça va être compliqué les gens là. Si j'arrive à... Si je m'évanouis pas une fois, c'est un miracle. Mais tu sais, je sais pas, on a remarqué que quand on fait une vidéo, bah je sais pas, on réussit mieux. Ouais, bah moi là, à chaque fois je m'évanouissais, et puis là, quand je fais une vidéo, je trouve que je me balade comparé aux autres fois où je le farmais, et je me suis fait bifler des... Mais vraiment, mais des trucs d'amateur quoi, je me faisais niquer, mais c'était tout simple, je savais qu'il allait faire ça, mais non, je lui fonçais dedans. Je me prenais l'attaque et tout, c'était complètement de la merde. Mais là, je sais pas, je me sens mieux peut-être en votre compagnie, même si là, je parle devant un écran tout seul. Mais bon, c'est pas grave, hein. En même temps, je sens votre présence, même si la vidéo est pas upload, là, au moment où je parle. Voilà. Je voulais... Ah oui, je te coupe aussi. De toute façon, non, mais fini. Ça, j'avais fini. Ouais, de toute façon, t'as pas le choix. D'accord. Je voulais vous parler d'un truc qui me... Comment dire? Me titille pénis. Exactement. Non, mais qui me perturbe quelque peu, vous voyez. Moignon. À propos de la chaîne et au niveau de ses statistiques, on va dire. Ne vous inquiétez pas, vous y êtes pour rien. ne prenez pas la mouche. C'est votre faute. On va tous vous tuer. C'est toujours votre faute. Non. Je vois des chaînes qui font des vidéos, bon... On va dire assez banales et relativement normales, qui font pas des trucs non plus de fous. Et qui ont genre, allez, on va dire dans les 3000 abonnés. Pour, au total de vues, 80 000 vues. Je sais pas si vous voyez la différence. On est à 1500 abonnés pour 140 000 vues. Alors, je sais pas à quoi c'est dû. Si les gens n'aiment pas s'abonner ou je sais pas. Mais je comprends pas pourquoi chez nous,
Enfin, ça doit arriver à d'autres. Ah. Mais je sais pas, chez nous, on a. Enfin, ça ne dérange pas, hein. C'est plus. Ouh, vite. Ça va être compliqué, donc, les gens, là. C'est très compliqué. Ah non, mais là, il t'a sodomisé contre le mur. Ah ouais, là, il m'a pris contre le mur, il m'a plaqué, il a dit, là, tu bouges pas ou je te viole. Donc, si vous nous découvrez, n'hésitez pas à foncer sur la chaîne et allez suivre toute la série. Et allez vous abonner, parce que je vois des chaînes à 3-4 000 abonnés, même à 50 000 vues au total. Et ça, franchement, ça me dégoûte. Même si elle passe sur une chaîne communautaire, je vais dire, tu gagnes pas 5 000 abonnés, quoi, enfin... Bah, c'est pas qu'on est mécontent du peu d'abonnés qu'on a. Enfin, ah non, pas du pas peu. Là, c'est déjà... D'ailleurs... On a, désolé, je te coupe, mais on n'a pas fêté les 5000 les 1500 abonnés, parce qu'on savait se concentrer sur les 2000. Oui, parce qu'on n'avait pas, déjà, on n'avait pas d'idée de vidéo. Ça s'est fait. Et aussi, c'est un peu Daisy, voilà, la vidéo 1500, c'est voilà. On va dire ça, hein. Ouais, on va prendre ça comme excuse. Dis rien, ils vont. Ouais, on dira. Merde, on like. Ah ouais, merde. Bon, c'est pas grave, donc on continue. Voilà. Mais c'est pas qu'on est mécontent, au contraire, on est super content, mais c'est que des fois ça surprend vraiment. C'est vrai que c'est bizarre, pourtant ils font. Enfin, je sais pas, voilà. Ça se trouve, ils ont. Tenez à vous le dire quand même, c'est pas de votre faute. Hein. Ils ont de la chance, hein, tant mieux pour eux. La communauté qui nous suit, on vous remercie grandement, mais voilà, je sais pas. Je sais pas à quoi c'est dû. C'est pas grave, écoutez. Hein. On s'en fout, on est là pour se détendre. Oui. Et non, je ne ferai pas de. Ah merde, comment on dit. Ah merde, j'ai perdu l'expression. Vite! Non, vite, rattrape. Je sais pas, dis un truc de merde, fais quelque chose. Couille, merde. Oh putain, il y a le nu droite. Oh c'est la merde. C'est officiellement la merde. Écoutez, hein. Ah, mais là, je sais pas comment je vais faire. Bon, je vais les laisser se frapper entre eux. Ouais, mais c'est la meilleure tactique. Je savais qu'il y avait. Ah, mais oui, il y avait une bombe de boost. Dès qu'il y en a une, faut la prendre. Je suis con. Je suis un bolos. Bon, ils vont se frapper entre eux, on va les laisser, hein, écoutez. Chacun fait ce qu'il veut. On va faire tourner en rond, puis on va essayer de dire de la merde pendant ce temps. Voilà. Exactement. Non. De toute façon, vous commencez à être habitué, je pense. Ouais. Ah merde, on n'a pas posé de question du jour. Merde, on n'y a pas pensé à ça. Est-ce que vous aimez la bite? Voilà, non, exactement. Répondez, c'est très important. Totalement hein. Improvisé. Non, je déconne. Sérieusement. Attendez, je démerde-toi, je réfléchis. Ouais, démerde-toi, ouais. ouais. Bite, cul. Non, arrête. Ouais. Totalement au hasard, on n'y a pas pensé, désolé. Est-ce que vous préférez Modern Warfare 3 ou God of War? Non. Quelle série vous préférez? C'est ce que je viens de dire. pourquoi Modern Warfare 3? Non, MH3. God of War. Non, mais t'as dit Modern Warfare 3 ou God of War? Ah bon? Bah, MH3 alors, pardon. Pareil, il y a une lettre qui change. Ouais, exactement. Donc, est-ce que vous préférez God of War ou MH3 ou les deux? Enfin, ou les vidéos libres, hein, quel sur nos trois séries, lesquelles vous préférez? Enfin, trois séries, sur nos trois sortes de vidéos, on va dire. Laquelle vous préférez le plus? Lesquelles ou là ou lesquelles? Voilà. Totalement improvisé. Ah ouais, là on n'y a pas pensé du tout. Ça va. Vous voyez, c'est ce genre de conneries que je commettais quand j'étais tout seul. Sauf que t'étais un centimètre plus haut. Ouais, voilà. C'est le centimètre de la victoire. Ça va être très chaud, les amis. Ça va être top. Ouais, j'attends qu'une chose, c'est que l'autre con se barre. Parce qu'en général, quand il y a deux monstres dans une même zone, ils restent pas longtemps l'un à côté de l'autre. C'est ce que j'ai remarqué dans Monster Hunter 3. Ça se trouve, c'est complètement faux. Ça se trouve, c'est complètement faux. Mais bon, tant pis, on fera avec. Surtout que j'avais prévu de mettre un piège. Puisque comme j'en ai deux, j'avais prévu d'en mettre un. Enfin, je crois que j'en ai deux. Oui, j'en ai deux. Mais du coup, j'ai peur que l'autre s'y prenne dedans. Donc du coup on va attendre, hein. C'est pas très palpitant. Ils boitent pas encore, hein. Oui, de toute façon. Olé. Oh, ah, ouais, non mais vous voyez, c'est ça qui est surprenant. Ouais, c'est pour ça que j'aime pas quand il y a deux monstres là à côté de l'eau. Bon, ça, en même temps ça fait bouclier humain comme ici, mais en même temps ça peut vous défoncer la gueule. C'est très pénible en effectivisme. Ouais, je vais essayer de me démerder pour pas m'évanouir trois fois, mais ça va être compliqué. Attention. Surtout pas se le prendre, ça. Ça, si vous le prenez, c'est... Bien, ils se touchent entre eux, là. C'est la mort dans la seconde. Ah, c'est bon. Là, il fuit. Et merde. Vous voyez ce genre de conneries que je foutais? Je vois qu'il va tirer. Et ben non, je m'y mets dedans. Oh, putain, c'est bon, là. T'as fini. Je peux partir. En plus, il a fallu me toucher. C'est ça, le pire. Non. Voilà. Bon, fuyons, les gens. Je sais pas si vous avez remarqué, mais les monstres aquatiques ont principalement les mêmes mouvements. Hein, les mêmes mouvements d'attaque. Oui, mais bon, ils se sont pas fait chier à ce niveau-là, mais en même temps, c'est un jeu qui date un peu, hein. Il a genre 2 ou 3 ans. Ils allaient pas se faire chier à faire des attaques, ça allait être compliqué, surtout pour les capacités de la Wii qui sont
On va pas dire réduite, mais... Par rapport à d'autres consoles et... Wow, je me fais sniper. Et en fait, il est sur l'herbe. Ah, tant mieux, j'aime bien quand il est sur l'herbe. Je suis plus enfin, je suis plus à l'aise sur la terre que dans l'eau. Il est fatigué en plus. Ouais, il est fatigué, je vais pouvoir mettre un piège. Alors vas-y. Non, assure, parce que s'il se prend pas dans le premier, laisse tomber. Hein. C'est pas grave. Non, je vais le mettre pour lui marave la gueule. Non. Si, laisse-moi faire. Si t'arrives pas à le piéger dans la zone et qu'il se barre... C'est pas grave, j'en ai un deuxième. Oui, mais justement, si tu le mets dans la zone... Trop tard. Je crois qu'au bout d'un moment, il y en a un qui revient dans la boîte. Oui, au bout d'un moment. Ah bah voilà, c'est ok. Voilà, ça le fait. Ça le fait marave sa gueule. Allez. Alors, encore un truc de pété. Ouais, ça c'est bien ça. Plus il y a de trucs pétés, mieux c'est. Plus il prend cher. Ça, c'est très bon signe. Ça part bien. Pour une victoire, bah bon, je m'avance pas. Je m'avance surtout pas parce qu'en général, quand je m'avance, ça se termine mal. Voilà. Oh là 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 là, les gens. Putain. Tu remarques qu'on a pas dit trop de merde. Ouais. Ouais. Un petit peu quand même. Hein. Un petit peu. Quand même. Ouais, il est fatigué là. J'espère qu'il va bientôt boiter. Là, on a combien de minutes d'enregistrement? À peu près 20. Et voilà. Ouais, c'est voilà. Plus quoi dire. Hein, voilà. Ouais. Mais bon, en même temps. Ah, et si vous nous regardez pour les commentaires, c'est foiré là. Ouais, en même temps, c'est dur, hein, ça a pas l'air, mais c'est très dur de parler pendant autant de temps. Encore les gameplays, bon, bah, tu commentes le truc, hein, tu t'es préparé, tu connais le gameplay. Alors que là, c'est du live, là, tu... Le live, c'est toujours c'est ça. C'est à la One Again Beast to Fly, quoi. Tu sais pas jamais ce qui va se passer à l'avance, donc c'est ça qui est un peu short au niveau de cette série, c'est qu'au bout d'un moment, on sait plus quoi dire. Mais bon, je pense que les habitués commencent à avoir l'habitude. Non. Oh! Désolé, j'ai même pas... Ah, le lapsus, voilà. C'est le mot que je cherchais tout à l'heure. Ah bah, ça fait un moment quand même, hein. Ouais, non, mais ouais, mais... Je suis sorti tout seul, comme ça. Wow, les... J'aime. Ça fait prendre un coup de queue, dis donc. Ouais, c'est une question d'habitude, quoi. Non. Alors, encore une merde de dire. Ouais. Oh, yes. Je vais pouvoir peut-être me faire une armure supplémentaire, les gens. Sous vos yeux, comme ça il y en a beaucoup qui réclamaient. Vas-y, ah oui, ouais, il y en a qui aimeraient qu'on fasse un peu ce qu'on fait entre les épisodes. Je suis désolé, mais pour moi c'est pas intéressant. Wow. Enfin, je vois pas ce que vous y trouverez d'intéressant. À mon avis, vous allez vous faire chier, vous nous voir partir dans la forêt, farmer un ou deux mobs, revenir faire des ressources. Bon, bah. Ouais, c'est toujours la même chose après. Ouais, je vois pas ce que vous trouveriez d'intéressant. Dites-le les armures à la limite. Ouais, bon, tu vois un mec qui craft des armures, super. Mais bon, il n'y a pas grand chose d'exceptionnel, je sais pas. Nous, on essaie de vous le donner le plus intéressant, quoi. Même si ça vaut des monstres farmés en moins, on essaie de vous montrer le plus intéressant possible de l'aventure. Donc c'est pour ça que la série ne durera pas 300 épisodes, parce qu'il y a beaucoup de trucs qu'on a fait en off, genre les quêtes, voilà, ramasser un champignon, c'est bon, hein, tu pars à la zone 3, puis c'est bon, t'as fini. Hein. Mais là, on essaie de... On a fait ce walkthrough, ce walkthrough, si Hugo regarde cette vidéo, il va rigoler. On a fait cette aventure pour vous faire voir le gros du jeu en fait. Le meilleur, quoi. Le meilleur, franchement. Le best, là où... Il se passe pas grand chose d'intéressant entre... Ouais, là où notre paire de couilles grossit, mais massivement. Ouais, et où la raideur de notre cou descend. Exactement. Je sais pas si vous avez compris, mais enfin, on s'en fout. Hein, j'ai vu ça dans un truc. Non, j'ai même pas compris, mais non. C'était de la merde ce que t'as dit. Exactement, mais j'ai entièrement ça. Mais écoute, ils aiment ça. Donc, non, mais vraiment de la merde, tu vois. Pas un truc. Bon, allez se faire. Je crois que je vais pouvoir me faire le casque après. Si j'arrive à avoir une corne, parce qu'il me manque une putain de corne. Et sinon, il me faut une électrique carapace, pardon. J'ai fait l'erreur. Électro carapace. Non, électrique carapace. Ah ouais? Ouais. On m'a corrigé dans le... D'ailleurs, je le remercie, il se reconnaîtra, je pense. Je sais plus qui c'est, désolé, mais... On m'a dit, c'est pas électro carapace, et c'est électrique carapace. On a toujours prononcé électro. Mais ouais, on m'a corrigé, et vous faites bien de me corriger, parce que... Moi, je dis les trucs à ma façon, je dis pas aptonote, je dis apanote, enfin voilà, c'est... Je crois que ça se dit, ouais, non, c'est les aptonotes. Non, c'est aptonote, et voilà, il y a des noms tellement compliqués que je les dis à ma façon, je pense que c'est arrivé à tout le monde de dire, de pas dire un truc... Bah, en même temps, ils sont allés chercher où, aptonote, là? Bah, ils ont pris des lettres, ils les ont mélangées, puis ça a donné ça. Ouais, mais ça se trouve, c'est peut-être un... Ah non, tu vois, c'est... au chiffre des lettres, tu vois, ils ont fait comme au chiffre des lettres. Ils ont pris des lettres au hasard. Il y en a un qui disait
consonne, l'autre voyelle. Puis ça a formé un mot, puis ils se sont dit, tiens, c'est pas mal. Voilà. Après, tu dis que je dis de la merde, bah putain. Non, mais j'essaye de faire vivre un peu le... J'essaye de dire comment a été créé le jeu, wesh. Oh, oh merde. Ça va être compliqué. Tapez-vous entre vous. Wow, totalement improvisé. Non, c'était prévu, j'ai envie de dire. Ah, bon, je vais aiguiser tant que j'y suis, comme ça. Je vais recharger aussi. N'empêche, elle est balèze, cette morphoche. Et vous, faut pas s'en prendre un coup dans le cul. Question d'habitude. Oh, mais arrête. Ah, désolé, je pouvais pas le louper, lui. Oh, mon Dieu. Elle va passer en moins de 18, celle-ci. À tous les coups, on va voir réglementation. Allez, hop, pim. Ce serait con, quand même. Ce serait con. Ah, il boite. Ah, c'est le moment. C'est le moment. Ah, attendez, faut pas faire le con là parce que. Pas le con Philippe. Tous les deux, on peut se faire des frics. Ah, si vous connaissez pas ça, c'est. Si vous avez loupé votre vie. Alors, attends qu'il se. Au pire, mets-le à la limite de la zone 6. Parce que je... Waouh. Bon, apparemment, il est pas content. Non, mais sans blague, te faire dérouiller par un mec pendant je sais pas combien de temps. Là, tu vois, il va partir là, je pense. Je vais attendre qu'il soit bien en zone sûre. Normalement, peut-être en zone 6 ou 8, je sais pas. Alors, en tout cas, ça m'est déjà arrivé plein de fois de louper une quête parce que je mettais le piège. C'est pour ça que je voulais dire. Ouais, mais t'as raison en même temps, mais on va attendre, hein, écoute. Parce que à chaque fois que je pose le piège, tu vois, j'attends bien longtemps comme ça. Je dis, allez, je vais poser le piège, il est resté là pendant un moment. Et pim, c'est pile à ce moment qu'il se barre, ce con. Et du coup, bah, va falloir attendre. Je là, peut-être, parce que là, je pense qu'il se bat contre toi. Non, mais même, voilà, c'est. Tu vois, c'est dans ce genre de piège que je veux pas tomber. Parce que ce monstre, c'est un fourbe, tu vois. Bah, mets-le à la limite. Là, il observe nos mouvements, il sait ce que je vais faire. Il est fourbe, ce monstre, il est fourbe. Trop fourbe. Attends, je tiens quand même à assurer le coup. Parce que, ouais, voilà. Tiens, je te donne un coup de poing au passage. Tiens, ça te fera les pieds. Salope. Ça te fera les griffes, en l'occurrence. Bah, tu vois. Tu vois. Oh, merde. Bien, parce que. Il revient vers toi, et puis après il repart dans l'autre sens pour changer de zone, c'est marrant. Logique. Il va pas dans la zone 8, lui, je crois. Non. Je sais pas, écoute, on va le poser là. Je crois que c'est le gobule qui... On prend nos couilles. Et puis voilà, écoute, hein, on verra. 30 millions d'amis, vous connaissez pas? Bon, je vais me taire. Ne pars pas, tu pars, je te démonte. Voilà, très bien. Ne pas louper les tranquillisantes. Voilà ça. PGM like a boss. Et je me touche les couilles pour l'occasion. Exactement. Il le fait vraiment en plus. Oui, attends, je dis jamais des bobards, moi. Oh mon Dieu. Surtout quand il s'agit de se faire un petit plaisir solitaire. Exactement. T'arrêtes de dire ça, toi. Oui, exactement. Donc c'est... C'était un problème, quoi ce rire, là. Bon. Eh ben, j'espère que cet épisode vous aura plu, ça faisait longtemps. Hein. Désolé, franchement. Ça, ça fait du bien de s'y remettre. Hein. Bah, franchement, moi, vous voyez, j'ai pas mal géré, enfin, je pense. Griffe, non, je veux une corne, non. Griffe. Yes, corne. Yeah, corne. Eh ben, vous vouliez qu'on vous fasse voir quand on craft les armures, pas de problème. Ah oui, est-ce qu'on leur passe la cinématique de... Ouais, c'est un tremblement de terre de trois pélos à qui on parle, c'est bon, y a pas besoin de... Ouais, donc parce que quand on a battu le Legiacrus, on a une cinématique où il y a un tremblement de terre, hein, rien d'exceptionnel. Vous regardez le premier épisode, puis voilà, ça fait pareil en gros. Donc si on voit qu'on fait ressortir le jeu du placard à pas mal de gens, même acheter le jeu carrément. Alors ça... Oh, chacha, mon bouclier humain, mon bouclier humain, mon larbin. Voilà, je cherchais le mot. Ah, oh, putain, enfin t'es là. Alors là, il nous dit, ouais, là il nageait sous l'eau, hein, et il a vu un truc genre. Il a paniqué, il a tremblement de terre, ouais. Il a vu un truc 100 fois énorme. LOL, toile d'araignée, je savais même pas que ça existait. Bien sûr, ça sert à faire les filets. LOL, t'es pour quête. Alors. Voilà, ma biatch. Oh, oh, bonjour. Ah, il a des objets inédits, cool. Merde. Ah bah j'ai rien à échanger, fuck. On a un problème. Apparemment, donc Chacha a dit qu'il avait vu un truc beaucoup plus gros que le Legiacrus. Bon, ceux qui ont fait le jeu devineront ce que c'est, ceux qui ne l'ont pas fait, on va pas spoiler non plus. Voilà. Ah oui, j'ai plein de quêtes villages. Il faudra qu'on s'en occupe en off, ça. Oh putain. Genre les quêtes villageoises, vous voyez, c'est bien, mais on s'en fout un peu, quoi. Le masque derrière la ferme, vous pourrez respirer sous l'eau. Alors oui, vous vous souvenez ça, en début d'aventure. Il y a une... On est allé voir cette statue, si je me souviens bien. Sinon, on va vous la montrer maintenant. Cette statue-là.
Là, vous voyez, il a une espèce de masque, là, bizarre, un scaphandre, voilà, je cherchais le mot. Et on va créer un masque pour Chacha, pour respirer sous l'eau, en fait, quand on l'appellera. Il viendra nous faire de l'oxygène pour, justement, battre le prochain monstre. Qui est sous l'eau. Donc là, je vais juste crafter une armure. Tête. Comme ça. Voilà. Là, j'ai cru, aperçu, voilà. Vous voyez, like a boss. Ça fait trop stylé. Yeah. Voilà, donc au moins j'espère que vous serez content d'avoir vu un petit Alors on a fait un petit mixte, hein, on a dit du sérieux, de la merde, un coup de gueule. Et de la merde. Et encore de la merde, et on a crafté une armure. Voilà. On peut pas faire mieux là, franchement. Non, franchement, on peut pas faire mieux. Ah, le Giginiox, je trouve carrément stylé. T'as l'air d'un vampire avec ça. Ouais, mais c'est, voilà, c'est ça. Hein. Complètement stylé. Complètement stylé cette armure. Donc voilà, écoutez, j'espère que cet épisode vous aura plu. Un petit like, un petit pouce vert. Surtout le petit like, franchement. Le petit commentaire. Le like et le commentaire, c'est vraiment ça qu'on aime. Puis ça détend les sphincters au moins quand on voit ça. Puis aussi, venez vous abonner pour ceux qui aiment la série, pour ceux qui nous découvrent par le biais de cette vidéo, par l'IFR Gaming Zone, etc. Venez vous abonner, franchement, ça nous encourage à continuer, etc. etc. Donc voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Bye! Bye à tous!